Alors, espace frontière de l'infini vers laquelle nous voguons, machin. J'ai mangé des frites à midi. Oh, salut les amis! Oui, non, qu'est-ce qui se passe? Je m'entraîne, j'ai une convention Trekkies bientôt et j'essaye d'être compatible avec ces gens-là, mais j'avoue, j'ai super du mal. Oui, parce que moi, dans l'espace, avec mon armada, ce qu'on aime faire par-dessus tout, c'est démonter des vaisseaux spatiaux ennemis, qu'on se le sache. Donc, à ce niveau-là, bah, il se trouve que vous êtes au courant qu'il y a pas mal de streams shmup dans The Big Game of Ski. Et de surcroît, il se trouve que il y a encore des nouveautés shmup qui sortent en 2018. Et si ça c'est pas le bonheur, bah, ça y ressemble un petit peu. Parce que quand on voit que toute cette petite faune a le talent de développer des produits qui non seulement sont jouables, mais en plus taquinent des aspects rétro qui ne sont pas sans titiller la fibre sensible des cadres à la compagnie. Forcément, vous dites, ça a l'air con ce jeu, il a un look un peu rétro, mais il faut absolument que j'essaye, sinon je vais mourir idiot, c'est une probabilité probable. Alors quel est donc ce jeu aujourd'hui? Bah je vais vous laisser voir la Gioca Infinos Gaiden. Ce qui est bien, c'est qu'on peut reset l'intro, si ça c'est pas la classe. Alors, le bonheur ne venant jamais seul, vous pouvez d'ores et déjà lancer le téléchargement de la démo que je suis en train de vous faire voir, qui se trouve en lien juste en bas dans la description. Non, là, voilà. Voilà. Tu vois, c'est pas dur de cliquer et de viser un peu. Donc, espace, frontière de l'infini vers laquelle... Est-ce que je vous ai déjà parlé de mes affinités avec les scénarios dans les shmups? Non, pas vraiment. Alors là, ce que vous avez à l'écran, bah, c'est le jeu tel qu'il est. Il est en 4 tiers. Donc les gars, c'est des vrais qu'ils y croient. Et regardez-moi ces graphismes, ça. Et oui, on parle pas de ces films. Du bon gros pixel d'élevage bien gras, bien bio, qui a traîné dans des palettes 16 couleurs avant de venir s'écraser sur notre écran. Si ça, c'est pas mal, franchement, je sais pas ce que vous... vous le sentez, ce doigt tout raidi qui commence à se rapprocher du bouchon, du bouton start. Oui, j'en bafouille tellement je suis ému. Oui, Infinos Gaiden, me voilà. Alors, un petit scroller horizontal. Vous êtes probablement au courant que je suis un dieu sur les scrollers horizontaux. Je joue vraiment... Bah, en général, tous les 1cc que vous voyez sur le net, c'est moi qui les ai faits. Hein. Nage-t-on en plein classicisme? Totally, mon ami. Mais finalement, est-ce que c'est pas pour ça qu'on est venu? Alors, j'ai pas fait gaffe ce à quoi correspondent des bonus, mais je compte en prendre un max. Pouvoir être une terreur de l'espace, du cosmos, moi aussi. Toujours la réverb des enfants, c'est super important. Oui, toi je te sentais venir. On connaît bien ces classiques. You shall not pass in the bad evil of the death in the kingdom of the la fin de la rue. Et je ne me laisserai pas faire. Je sais bien. Quand ils sont pas contents, ils sont pas contents. Hein. Oh là là, le changement de tir qui a été fait bah, pile au bon moment, puisque c'est une riche idée vu que ça commence à me canarder un petit peu n'importe où, j'ai l'impression. Hein. Les enfants, on va se calmer. Je passe pas dessous déjà, c'est clair. Ok. Je vais faire mon feu, moi. Voilà. C'était ce que j'étais en train de réfléchir, mais je passe, je me mets où là? Petit en bas, tu crois que je t'ai pas vu? Tu connais? Regarde mon t-shirt. Not from behind. Alors que traduit en français, ça veut dire pas par derrière. Ah, parce que ça, c'est une petite manie que j'aime pas trop. Damn, cette musique. Damn, cette mise en scène. Damn, cette victime. Et oui, ici, j'écoute ton nom.
établis vous sur le pare-brise de ton vaisseau. V-I-K-T-Y-M-E. Alors, est-ce que j'ai une super bombe? J'ai même pas essayé, très honnêtement. Bon, ça c'est pas si c'est censé. Oui, mais quand ça, c'est ça, voilà, c'est pas mal, c'est passé. T'aurais pas l'idée de remonter des fois, mais... Mec, voilà, genre... Alors ça aussi, ça clignote un peu au fond. Ça peut m'intéresser. Est-ce que j'ai une super bombe? Ah bah, je peux changer la position de mes armes. Et oui, c'est à la moitié du jeu qui découvre qu'il peut changer la position de ses armes. C'est ça qu'on veut dire. Donc, pas de super bombe. C'est marrant ça. Oups. Je suis un peu en bas. Aïe, fallait pas se mettre là. Ok, oui, je vais continuer. Oh, il lui restait 5 tirs dans le buffet avant de crever. Je suis triste. Je suis malheureux. Et ben voilà. C'était tout pour la démo de Infinos Gaiden. Alors, si les gros pixels, c'est votre trip, si les shmups, c'est votre trip, si les versions shmup horizontales de surcroît bah, sont encore dans votre plat de trip, rajoutez un petit peu de sel et allez-y, foncez dans le tas. Ça a l'air d'être fait pour vous, vu que c'est en plus à 10 balles sur Steam, donc ce serait peut-être bête de passer à côté. Surtout que ce jeu a de très très bons retours. Des retours qui viennent de shmup.com entre autres, et de gens donc qui ont un petit peu de bouteille dans le shmup et qui se doutent qu'apparemment derrière ce jeu il pourrait y avoir des noms plus ou moins connus qui auraient déjà commis des méfaits comme... Sur ce, je vous laisse avec les playlists réglementaires et on se retrouve demain à 19h pour un nouveau stream du jour dans The Big Gamers. Qui n'hésitez pas à partager la chaîne, c'est important. Je vous laisse avec les playlists habituelles et je ne ferai aucun montage. Non, aucun, n'insistez pas.